Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de Windows Media Movie Maker, logiciel pour faire vos montages vidéo, parce que j'ai beaucoup recherché, parce que moi j'ai essayé de poster des vidéos sur YouTube, refusées, trop longues, trop lourdes, donc il faut faire de la compression et tout ça, j'ai beaucoup cherché pour trouver des trucs terribles, on trouve, mais franchement, je vais vous donner la solution pour le faire gratos. Passer de 2 gigas à 500 mégas et c'est gratos avec Windows Media Movie Maker qui est sur votre PC portable. Donc on va aller à mon PC et je vous montre ça de suite. À tout de suite. Donc en fait voilà, c'est super simple, j'arrive à mon PC, je n'ai pas la lumière, de toute manière je m'en fous, c'est juste pour vous montrer parce que c'est un peu top. J'espère que vous allez y voir quelque chose parce que j'ai besoin de mes grosses paluches pour vous montrer. J'ai pas l'impression que ça va pas le faire. Donc là, vous voyez, j'ai une vidéo qui est en train de se convertir. Donc, vous faites tout votre montage vidéo. Une fois qu'il est fait, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un petit bouton Facebook. Ici, il y a un petit bouton Facebook. Et juste à côté, il y a enregistrer mon film. Donc, si vous faites, vous cliquez, je sais pas si ça va marcher, j'espère, ouais, mais j'ai peur de niquer ma vidéo aussi. Je sais pas. Non, ça marche pas, parce que ben, forcément, ça marche pas, parce que ma vidéo tourne. Donc, je vous reviens après. Mais en fait, vous allez voir. Enfin, non, je vais vous montrer, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, à tout de suite. Bon, alors, la suite de ma vidéo pour vous montrer comment on fait pour décompresser gratuitement avec Movie Media Maker. Franchement, je savais pas quoi, je cherchais, j'étais prêt à acheter des logiciels, à faire tout, et puis je trouve que c'est gratuit avec votre truc que vous avez dans votre ordinateur, et alors, ça réduit pas de un peu, hein. C'est gigantesque, hein. Je passe de 2 gigas à 500 mégas, et sans perte de qualité d'image, rien du tout. Maintenant, il faut que j'essaie de poster encore sur YouTube, et tout ça, j'ai pas encore fait, mais j'ai déjà trouvé la façon de décompresser. Donc, on y va, je vous montre. Donc par exemple ici, donc je vais essayer d'avoir ma caméra, je vais prendre celle-là, et voilà, elle fait 1 giga 31, je ne sais pas trembler, j'ai un peu beaucoup, et ça, 1 giga 31, donc c'est Crise XXL, 1 giga 31, donc je vais aller dans, donc je ferme mon truc, je ferme ça aussi, pas besoin, je prends Movie Maker. Alors, donc voilà, je vais essayer de pas trop trembler, mais c'est la caméra, d'habitude je mets le pied, donc ajouter un fichier, donc je vais aller chercher celle que je vous ai dit, non c'est pas celle-là, ça y est, je pérole, donc, c'était quoi encore, que j'ai oublié maintenant, c'était celle-là. Voilà, 1 giga 31, c'était celle-là, donc vous voyez, 1 giga 31, je l'ajoute, voilà, donc maintenant, elle y est, et maintenant, il va, donc vous allez laisser faire le truc, hein, donc là, il est en train de je vais dire, de l'analyser pour vous mettre une meilleure qualité d'image, et je vous reviens juste après, parce que ça ne sert à rien de vous garder 10 minutes ici, parce que ça prend un peu de temps. Vous voyez, la petite ligne en bas, là, qui... Donc, il va améliorer la lecture, quoi. Et de 1 giga 31, je vais vous montrer comment on passe à moins, quoi. Donc, voilà, tout de suite. Alors, bon, les gars, si vous regardez pas 10 000 fois ma vidéo, parce que ça, non seulement, c'est avec Media Maker, c'est gratuit, ça vous coûtera pas un bal, et je vous dis, vous passez de 2 gigas à 500 mégas, sans perdre la qualité de l'image, sans rien du tout, c'est énorme, et j'ai trouvé ça en cherchant tout seul, parce que j'en avais marre de regarder des vidéos qui m'amenaient à rien, ou à m'amener à acheter des programmes. Donc voilà quoi, tout ça est dans votre ordinateur et ça va pas vous coûter un bal et vous allez compresser tout, je vous dis, de 2 gigas à 500 mégas, sans perte en qualité d'image, un minima, tout un chouïa, comment on dit en arabe, un chouïa, donc vraiment très peu, vous allez voir, c'est très scotchant, mais là, elle charge, donc je vais peut-être vous montrer justement la,
le... Ah merde, c'est parti. Oh, aïe, les gens, ils vont détester. Donc voilà, l'avancement. Hein. Vous voyez là, en dessous, là-bas, l'avancement. Donc il est en train d'améliorer la qualité de lecture. Et puis dès que c'est ça, je vous montre. Donc dès que c'est ça, donc on était à 1,31. Hein, à 1,31 Go. Et quand ça va être fini, vous devez donc aller cliquer sur celle-là. Enregistrer, il va vous proposer un tas de trucs, mais je vais vous montrer. Et vous marquez enregistrer sur mon ordinateur. Et ça va là, vous la réduire de 2 gigas à 500 mégas. On va voir ici sur un 31, mais à mon avis, ça va faire 400 mégas, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout de suite. Et l'avancement est toujours là. Donc ça, ça prend un peu de temps par contre. Tout ça, ça prend un peu de temps. Et la compression aussi. Mais franchement, quand vous voyez la place que vous gagnez, ça va être gigantesque. Bon, à tout de suite. Donc voilà les gars, je continue la vidéo. Donc c'était celle-ci. Hein? Je ne sais pas si vous allez voir. Donc 1,31 Go. Vous voyez bien, 1,31 Go. Donc maintenant, je vais fermer puisque je l'ai dans mon maker. Et après, donc voilà, hein, donc le travail a été fait. Vous l'avez, elle s'est arrangée, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous allez, ici, vous avez un bouton Facebook. On s'en fout. Et à côté, vous avez enregistré mon film. Vous cliquez sur enregistrer mon film. Ah oui, non, c'est pas ça. Ça va pas. Parce que, donc vous cliquez là en dessous pour avoir la liste. Donc, si vous faites recommander, ça va vous garder une taille normale. Donc là, elle va faire... taille estimée du fichier par minute de regarder, donc ça, ça va pas. Donc, enfin, vous faites pas ça. Vous allez sur mon ordinateur et là, regardez bien, je tombe d'un giga. Taille estimée du fichier par minute. Donc voilà, vous prenez ça en tout cas. Je recommence. Vous allez ici, vous cliquez là, parce que c'est par minute là, donc il faut par minute. Enregistrer sur mon ordinateur, cliquez. Ça l'enregistre, il lui faut un nom. Donc je vais mettre ça plus, je vais mettre n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer. Donc j'ai mis plate 22, enregistrer. Hop, ça s'enregistre. Là, ça va encore prendre un peu de temps parce que là, il fait la conversion, mais vous allez passer de 1,31 Go à peut-être 400 mégas ou 200 mégas ou 40 mégas. Franchement, je suis scotché. Je découvre ça aujourd'hui en même temps que je vous fais la vidéo, mais c'est tellement énorme que je dois vous la faire tout de suite pour pas que vous perdiez de temps et surtout vous achetez pas de logiciel parce que vous avez besoin de votre fric. Donc voilà, ben je vous dis à tout de suite, dès que ça a décompressé, et que ça s'est mis, je vous reviens. A tout de suite mes amis. Donc voilà l'avancement les gars, ça prend, oui, un peu de temps, mais vous voyez que vous repassez de 2 gigas à 500 mégas, c'est énorme. Mais ça prend un peu de temps pour les deux manips. J'espère que au tout début ma caméra ne tremblait pas trop, mais j'étais tellement content d'avoir trouvé ce truc que je me suis dit que j'allais vous en faire part le plus vite possible, mais là je vais devoir faire un montage parce que j'ai plein de coupures. Donc j'espère qu'elle sera aujourd'hui, on est dimanche, le dimanche va être 3 décembre, j'espère qu'elle sera en ligne ce soir ou demain matin pour votre cadeau de Noël, ce serait bien. Vous allez voir comment ne rien acheter du tout, pas de logiciel, puisque Maker, vous mettez, vous savez mettre un générique et tout, mais ça il faudrait que je vous explique, mais ça c'est simple. Des écrits, et maintenant si vous savez les compresser avec ça, ben, tout est dans votre ordinateur puisque c'est un logiciel qui est fourni de base avec la machine. Mais voilà, il reste le dernier pourcent, mais ça c'est justement celui-là qui prend un peu de temps, ça va tout de suite, 1%, ça va tout de suite prendre 5 à 6 minutes. Donc à tout de suite les amis pour la suite des événements. Donc ben voilà, il a terminé, donc il m'affiche. Donc, il m'affiche bien le nom que je lui ai donné de ce que j'avais mis tout à l'heure. Il me demande ce que je veux ouvrir mon film. Oui, ouvrir le dossier. Voilà. Il me l'amène et j'étais... Ah, voilà, celui-ci. Donc, regardez bien. Ah, il devrait m'afficher tout seul. Vilain. Donc, propriété.
propriété. Et voilà, donc je suis passé de 1 giga à 313 mégas. Donc de 1 giga à 31, je suis passé à 313 mégas sur le disque. Est-ce que vous avez bien entendu? De 1 giga 31, je passe à 313 mégas. Donc c'est vraiment un coup super. Donc voilà, les amis, tout ce que... Attendez, laissez-moi reprendre ma vidéo parce que franchement, je trouve que c'est un scoop. Donc tout ce que je vous demanderai, si vous êtes super gentil, c'est de partager cette vidéo. Voilà, de montrer ça à tout le monde parce qu'il faut que vous gagniez de l'argent et que vous avez tout sur votre ordinateur, donc Windows Media Maker, vous avez tout. Partagez cette vidéo, mettez-moi un super commentaire qui me fera plaisir. Je vous dis bye bye et j'espère que votre cadeau de Noël est super parce que bon, si vous achetez un logiciel, ça tourne quand même entre, d'après ce que j'ai vu, 40 et 100 et le reste en euros. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu vous tuyauter un peu. Je vous dis bye bye. Maintenant, je monte la vidéo. On est le 22 décembre, le 23, ou enfin pour le 24, j'espère que votre cadeau de Noël sera en ligne. Bye bye, merci.